Je vous appelle le grand-père Abarabi, déjà parce que je constate dans les années passées jusqu'à aujourd'hui, vous êtes papa de plusieurs enfants. Et nous, les arrières, les petits-fils, pourquoi, qui sont en route. Mais j'ai des questions ou les idées bizarres comme ça, regardant notre système de la musique, de musique au Cameroun. Mais pour vraiment pas me gêner dans les histoires, j'aimerais vous poser cette question. Avec tous vos succès, quel est vraiment le niveau par lequel vous voulez vraiment obtenir jusque-là? Si déjà c'est la fin de ce que vous êtes déjà au gars, à quand est-ce que vous préparez votre retraite? Et déjà en place, vous avez préparé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour veiller à ce que les enfants que vous avez mis en place puissent continuer avec le travail que vous avez commencé? Et pour finir, j'aimerais également demander si le grand-père est marié. Sinon, ma mère est bien sûr disponible. Évidemment, ma retraite n'est pas loin. À partir du moment où on accepte former ou être d'accord avec la nouvelle génération qui arrive, il faut se dire que c'est une façon de préparer sa retraite. Ben oui, quand j'étais tout jeune, à mes débuts, je ne pensais pas à donner un coup de main aux jeunes. Mais il y a quelques années, j'ai pensé à cela et tout. Et j'ai commencé à le faire. Vous les connaissez. En dehors des anciens, qui ont été à l'origine de ce groupe, comme M. Sylvain Mondi et tout. Et je me suis lancé à promouvoir les jeunes. Ça veut dire que je pense à la retraite. Et dans toutes choses, il faut quitter la chose quand elle est encore très sucrée et très bonne et tout. Je sais que nous les Noirs, habituellement, on est très accrochés à la gloire, au pouvoir et tout. Mais moi, s'il m'arrive aujourd'hui vraiment d'arrêter, je ne vais pas le regretter. Bon, c'est un métier où les gens te font confiance, t'adoptent et la décision ne vient pas forcément de toi. Parce que sinon, on risque d'inquiéter les vies des gens qui te disent que non, on a encore envie de te voir, de t'entendre. Quant à moi-même demain, je peux arrêter. Hein? Mais maintenant, alors demander à la zone, à des gens ailleurs, s'ils sont d'accord que j'arrête. Voilà. C'est là. Moi-même, personnellement, je me sens déjà un peu fatigué. Moi-même, ouais, si je veux me reposer, marcher dans les champs, regarder les oiseaux, planter des maïs et tout, manioc et tout, la vraie vie, la verdure, manger bio, c'est mon souhait. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en parlais avec Sylvain, que bientôt je vais quitter ici à Makepe, je vais déménager. Je suis en train de construire une petite maison hors de la ville, à Beaumont-Nord. Parce qu'il faut qu'on commence à me... Ne sois pas modeste. Non, ça arrange. Non, après ça. 10 000 mètres carrés. Ouais, ouais. Non, je voudrais un peu m'éloigner des gens parce que, bon, vous savez, lorsqu'un cheval veut mourir, il faut qu'il se cache. Voilà. Donc, soyez-en sûrs, le brassard, je vous l'ai passé déjà. Vous l'avez en main. Maintenant, c'est à vous. Hein. Vous dites ça, vous devez vous battre. Merci. Parce que vous avez le pain sur la planche. Nous, on est derrière vous, on vous soutient.
je n'hésiterai jamais de venir donner un coup de main ou de vous assister. Si M. Sylvain m'invite, bien sûr, je viendrai avec, avec plaisir. En ce qui concerne la femme, vous savez, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui étaient mariés. Voilà. Je ne sais pas si c'est une punition ou c'est une malédiction. En même temps, je sais que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, j'ai fait avec. Venez vous asseoir ici. Bon, le pasteur, il est où? Tu es seul? Mon frère, venez par ici. Donc, c'est un peu ça. C'est tout. J'attends que l'approche de Dieu sonne sur moi. Tu n'es pas encore trop vieux, non? Quand même. Voilà. C'est vous là. Je suis pas encore trop vieux. Vous voyez, j'ai toujours la visite des pasteurs. Vous voyez dire que je suis un enfant béni. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Ça viendra le mariage, ça viendra. Je sais que ça viendra. La preuve. Si mon petit Sylvain a pu se marier, pourquoi pas moi? Mais bon, la mission n'est pas la même. Voilà. Il y a une question que j'ai oubliée. Ou bien c'était les deux. Sa mère n'a pas la chance. Donc ta maman a encore de la chance.